Ça joue Vayne, ça suce des bites. Garen, ça encule, ça encule tout ce qui bouge. C'est trop chiant. Bah c'est Garen quoi. Putain, il me manque un jeton pour le passer maîtrise 7 en plus. Top. Ah moi il manque un jeton, deux jetons pour passer Vayne maîtrise 7. Ah putain, Vayne maîtrise 7, c'est chaud quoi. Tu veux rigoler? Ouais. Moi je Vayne top. Mais que top. Ah, d'accord. Top et mid. Nique sa mère la botline, je l'encule. Vayne ils sont cancer en early, puis après je joue Nasus, du coup bah c'est rigolo, je mets un Z dessus, puis après y'a plus de Vayne. Oui. Pas quand genre, l'early est chiant, puis après tu bailles une brillance et tu mets ton Z. Au revoir. Oui, mais généralement quand t'es contre Nasus, le premier item que tu prends c'est la ceinture de Mercure, si tu veux pas d'ail. Je veux pas d'ail. C'est vrai qu'il y a sinon, c'est ce que sinon... Parce que, genre avec Nasus, genre tu mets un Z, tu l'envoies un Stamercure, tu fais ok, je retourne sous ma tour, je reviens plus tard. Mais non, mais tu tues Nasus. Plus tard, Si tu tues pas Nasus, t'as perdu la game en fait. Ah bah c'est ça. Oh non, putain. Oh, je vais passer une game horrible. J'ai Karma Kallio avec moi et y'a Mundo Vlad en face. Ah, Mundo, c'est toujours Gotia en 3v3, ça fait environ. Environ le début du jeu. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est. C'est genre le peu que j'ai joué en 3v3, je sais que Mundo c'est. Je dirais environ 9 ans, hein, mais c'est pas grave. Mundo il a toujours roulé sur la 3v3. Il a changé Karma, il a pris Yasuo. En plus, il a C9 dans son nom. Alors voilà. Tu crois que c'est un Cloud9, lol? Lol, joue avec Cloynage, Jacek. C'est le clown. Cloud9, Jacek pas joué mon champion, alors je feed. Non mec, en vrai, en face, il y a Mundo, Vlad, Z. Tu te rends cul, Jacek. Et maintenant, on a qui? On a Galio, Jungle, Yasuo. Vayne. J'ai pas d'armes, j'ai plus ouvert. A ton taf de choice, tu play ferveur. You had the choice. Ah, what the fuck, j'ai même plus. J'y vais. Comment tu sais que j'ai lancé en 3v3? Je l'ai dit? Oui, tu l'as dit. Bah oui, tu l'as dit. Ah, d'accord, j'ai oublié. Ah, y'a des maîtrises. Y'a des trucs bah, 4 en face. T'étais en train de pleurer pour savoir ce que t'allais ban en 3v3, donc. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, je mes larmes, je les ai bu, tu vois, elles étaient très salées, ça m'a donné soin. Où j'ai bu un coca et maintenant, bah ouais, je vais y grossir. C'est très simple. J'ai toujours pas mangé, je crois que je mange. Bon appétit. Bon appétit. Enjoy your nourriture. Non, mais en fait, ça fait un jour et demi que j'ai la flemme de me faire à manger. Du coup, je mange pas. Ah, ça m'arrive aussi, des fois, quand j'étais à la roche. Quoi, j'ai Galo Hello, mais t'es un boosted. Mais non, mais j'ai dit topo. Vas-y, je vais en bas. Ah non, y'a un Z jungle en face. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est Mundo Vlad sur les lanes des Z jungle? Pour moi, je rejoins en 3v3 parce que ça a l'air marrant. Et moi, je joue en 3v3 parce que c'est le seul truc que j'arrive à solo carry. C'est grave, mais c'est un petit jungle. Genre solo carry 5-5, c'est quasiment impossible. Ah, c'est plus compliqué quoi. Tu vois, comme je suis pas challengé en bronze, hashtag Alderiat. Je suis pas encore mort. Puis en plus, je suis en BO, donc si je gagne cette game, je repasse Silver 2. Enfin, je passe Silver 2. On the way for the gold again. Season again. C'est déjà repassé. J'aurais droit à un skin gratuit, c'est cool. Oh non, j'ai Vladimir, Nyctaros. J'ai perdu. S'il te plaît, June, lève les bras et donne-moi ta force. Ok. C'est bon? T'es sûr que c'est pas la mouche à côté de toi qui a levé les bras? Bon, arrête, hein. J'ai pas l'énergie aujourd'hui, d'accord, hein. Je comprends bien. J'ai pas de force non plus. Attends, mais qu'est-ce que je peux build en first item comme Vladimir? Oh, au bout du rouleau? Est-ce que ça peut être marrant au bout du rouleau sur Vayne en vrai? Vas-y, on va tenter. Contre Vladimir. Et Mundo. Trop de dégâts magiques, tu mets des dégâts magiques. Attends, Vladimir. Comment ça? Ça va pas?
Quoi? Ça donne pas des rem. Non, mais ça fait mal. Mais oui, je sais que ça enlève la sustain, mais je comptais pas faire ça, faire item. T'as vu, je me fais ouvrir en deux déjà par un Q-spell là. Vas-y, on va tenter. C'est qui a reçu des trucs Twitch là? Ouais, c'est des... moi. Ça a reçu des. Sa chaîne, des donations. C'est des frais là. Oh là là, t'as des dons Big Girl ou pas? Non, j'ai pas de coup d'aide. Et je ne veux pas de dons de toute façon. Ah, dommage. T'aurais mis un décolleté et tu te serais fait un salaire en 3 jours. En 3 minutes. Pardon. J'avoue. Pas ce que je recherche. Je stream parce qu'on m'a dit. Ce serait sympa que tu mettes ce que tu veux. Alors les salaires. Ah, il a Z instant. Oh, je vais faire. T'as raison, hein, Naro. Je vais faire first item au truc de la régène, anti-régène. Marc Dumbourreau. Ouais. Genre, en vrai, les trades, je les gagne donc. Je pensais pas, tu vois. Moi, petit joueur d'ADC contre un fils de pute de Vladimir de mort là. Attends, c'est combien la marque Dumbourreau? C'est 850. Oh, vas-y. Ah non, c'est 800. Oh, c'est un peu moins cher. C'est un peu moins cher qu'avant. Non, c'est 800. Que dalle. Putain, j'adore gaspiller 40 rubis pour faire une quête et en gagner 20 à la fin. Oh, c'est rigolo ça. Bah, ça pique le cul, hein. Ouais, mais du coup, dis-toi que t'as fait un peu. T'as découvert une partie du jeu que des joueurs. Ah non, c'était à 10 mètres du truc. Alors, le Z en face est incroyablement con. Genre, il m'a gank. Il a Z. Double Z, tu sais, il a TP sur moi. Et en fait, il a TP entre moi et un mur. Du coup, bah, tout ce qu'il a fait, c'est TP pour une condamne. C'est qui, je l'oublie. Oui, j'ai ramassé Mundo comme un balai. Je suis fier d'être un balai. Mais non! Allez, boum! Allez, les deux cancers qui jouent Vainiazou, ils spamment leur Martyrs 6 pile en même temps là. Ah bah merde alors! Je quête depuis des siècles. Solo. Story 6, c'est un peu de la merde quand même. De quoi? Story 6, c'est un peu de la merde, non? Pourquoi ce serait de la merde? Va jouer Vayne et monte la Mastery 6. D'accord, je la passe Maîtrise 7 si tu veux. Mais t'es méchant, arrête, oh, ouais! Hey. Dimitris 6, Dimitris 7 c'est pour les nabs, c'est pour les e-girls. Il dit ça parce qu'il arrive pas à passer. Mais non, j'y arrive, j'ai fait un race hier, j'ai pris une marque. Enfin, un truc Dimitris 7. C'est pas dur, hein, tu joues Vayne top quand tu tombes contre Horn, bah tu l'encules sa mère. Parce que Horn c'est nul. Ah non, si. Ah non, mais si, en silver il pue la merde, l'heure, non? Genre, ah, en fait, le seul point positif de champion en silver, c'est les lames d'infini à 1000 d'AD. Ah oui, moi j'ai crafté. À 100 d'AD, pardon. Mec, oh oui, non mais mec, clairement, l'augmentation de stats est complètement abusée. Ah, il dit que je voulais faire sustant, mais. Genre, tu vois, tu prends Nasus. T'achètes la Trinité, t'as gagné la game. Tu prends Nasus, t'achètes la Trinité améliorée, ils ont sur end à 2 minutes. Ah putain, faudrait que je fasse une game en horn avec t'améliorer. Mec, c'est pété, c'est monstrueux. La lame d'infini, tu vois, elle passe de 70 d'AD à 100 d'AD. Oh, tranquille. Cœur gelé, il a une amélioration aussi. Ouais. Oh, non, je crois pas. Non, même pas, non. Ah! Mais non, mais Yasuo, va-t'en, c'est mon farm ça! Espèce de fils de pute! Ah, je vais me faire un repas de porc, du beurre et 4 creux.
qu'est-ce que ça va faire? Des protéines. Attends, je comprends pas, je me suis mangé deux fois. Je rêve ou il va me manger du beurre? Attends, c'est possible de se manger deux fois l'ultime de ma haute? Oui, ouais. si tu prends deux trucs... Une plante dans la gueule. Si tu marches sur le côté que tu repotages dedans... Et oui, il vient de manger du beurre, bah oui. Je veux pas être méchant, Haru, mais genre faut être un gros animal hein, pour marcher deux fois dans l'ultime de... Mais s'il me pousse dedans, c'est un peu dur aussi. Ah oui, bah c'est qu'il joue bien. C'est sacré, il se crie quand même hein. Je veux pas être méchant, mais ça c'est vraiment une phrase difficile. C'est à moi ? Moi c'est parce que je suis un connard de base, mais avec des résultats, mais on m'a dit de pas être trop méchant, du coup j'essaie. En fait au final tu passes encore plus pour un hypocrite, donc... Mais je sais, c'est ça qui est marrant. Ce qui est marrant dans la vie, c'est d'être un connard. Non mais c'est parce que j'essaie d'être gentil, mais c'est dur. Mais t'es gentil avec moi. Mais oui, mais toi c'est parce que t'es une girl confirmée. Mais... J'aime bien, t'es gentil, ouais, passer, l'autre il sort. Non mais en fait t'es une pute quoi. Ah non, t'es une pute. Non mais en fait t'es vieux. Mais non, je rigole. T'es une prank, lol. Il prank to you. OMG, il me prank. Tu peux pas parler, tu manges du beurre. Ouais, bah je vais faire trinité, cœur gelé, les potes de mercure, je vais faire... Ah, j'ai mal! Oh non! Blague de ses morts! Ouais, mais on va faire une avis. Honnêtement. Y'a quoi en face? Je suis en train d'attraper des libellules, ma vie est vraiment géniale. Ouais, moi j'aime bien les libellules. La dernière fois, y'en a une qui s'est posée sur une brochette de poulet mariné, elle avait les ailes collées. Bon, je reviens, je vais vidéo. Ok. Au revoir. Allez, casse-toi. Je pense que là, la fin commence à dépasser le niveau de flemme que j'ai. Ah oui. Là, moi, si je te dis McDo, tu vois, ou KFC. Non, ça me fait rien. Ça. Ah, merde. Je sais pas, un Trianon. Hein? C'est bon, le Trianon. Qu'est-ce que c'est? Oh, gros mec, c'est un gâteau au chocolat avec un biscuit sur le dessus. Oh là 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 là. Mec, c'est best gâteau of the world. Hein. Et 100%. Aïe aïe aïe. Je suis trop deg. Ouais, il y a chaud. Le réalisateur de la Cité de la Peur, il est mort. D'accord. Je suis sûr qu'il bluffe, Marco. Ah, le bâtard, il a flash, il m'a eu. Ah, on a un... En face, on a un Vladimir Flash Ghost. Mais c'est nul en 3-3. Attends, il y a des poulets, mais est-ce que je peux les buter? Oui, tue-les. Mange du poulet. Mais non, je peux pas les tuer pour faire du poulet. Mais j'avais faim. Ah non, c'est vrai qu'attends, j'ai un stock de bouffe pas possible non, là, du coup. En fait, on leur roule dessus, je comprends pas, ces games n'ont aucun sens. Ils ont 3 champions 15 fois plus forts que les nôtres, ils défoncent. On les défonce pas. Putain, j'ai 3 HP et j'ai un truc qui m'en rend 13. Je pense que je vais pas manger maintenant. Il va rester pourrir dans mon inventaire jusqu'à un moment. Il est quand même nul le passif de Vayne, non? Bah, c'est Vayne, quoi. Bah, je vais pas gagner de la move speed, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est bien, c'est fort. Mais bon, quand t'es contre Nasus. Genre 32 MS en plus, genre j'achète des bots, c'est bon. Je comprends pas, c'est bien. Remarque après, vu le passif de son Z. Hein. C'est baleine ce PTDR. LOL. Surtout les buffs qu'ils voulaient lui mettre, LOL. Mais qu'ils ont très vite cancel parce qu'ils ont compris que c'était des autistes. Ah, ça, c'est la première fois de ma vie depuis le début du jeu en fait, qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ah, ils ont dû le mettre sur le PBE, non? Sur le. Oui, c'est possible. Oui, ça a été. C'est passé sur le PTE, sur le PBE et enfin, sur le PTR. PBE, quoi, je sais pas comment. Ils ont compris très vite que ils c'était ont fait... une modalité. Ah, oui, d'accord, c'est nul. Gozu, first top challenger, voilà. En seulement 5 minutes après le buff.
Non, mais en vrai, mec, tu te rends compte, tu régènes 20% des PV max de la cible que tu tues. Tu tues un Shogat 6000 HP, tu régènes 2000 HP d'un coup. Enfin, mec, non, mais je comprends pas pourquoi il voulait la buff de base. Hein. Ouais, elle est très bien comme elle est là. Ah bah, elle est déjà même broken en fait, hein. Tu fais le build crit, t'as gagné. Tu fais quoi? Tu fais Vayne crit, t'as gagné. Ah non, moi j'aime bien jouer Vayne PD. Vayne crit, mec, c'est genre complètement broken. Je sais pas si tu as déjà joué ou pas. Ouais, avec un lanceur fantôme. Ah, ZFK. Non, c'est pas je crois pas que c'est lanceur fantôme que tu fais en premier. Ouais, c'est statique. Et ouais, c'est statique. Ouais, mais moi je fais lanceur fantôme, c'est mieux. Ah bah, Vayne crit, c'est. Tu prends un kill en early, t'as gagné. Enfin, en early, même pas en fait. Moi je préfère le danseur fantôme parce que pour duel contre des Fioras c'est plus intéressant qu'un vieux statique tout caca. Tu sais que mec, depuis qu'elle est 5 bonnes, j'ai pas vu une Fiora dans une seule game puisque je la banne perma. Genre à toutes les games que je fais en ranked ou pas, je banne Fiora. Pourquoi? C'est pas fort Fiora, dis donc. Parce que ce champion m'a fait péter un câble, donc je les banne tout le temps. Moi c'est les Trundle et le Olaf que je supporte pas. Surtout non, Olaf. Non mais mec, faut arrêter, le mec... Non mais surtout que Fiora a été buff là, donc faut pas déconner. Elle a pas été buff, elle a été rajustée. Ah, non, elle va être buff, surtout. Ah, non, elle a pris un nerf, là, la mobilité en moins. Ils vont juste lui rajouter un peu de mobilité. Ouais, non mais vous avez pas vu le... Si, elle récupère la vitesse de déplacement, là. Ouais, non, elle récupère pas qu'un peu de vitesse, c'est doublé le vitesse de déplacement qu'elle gagne. Ouais, bah, ils reviennent à comment c'était avant. Ouais, bah c'est un peu. Non, même moins, ça, t'as toujours moins de vitesse de. Mais t'en as un peu plus. C'est la paranoïa. Ah oui, Vladimir, comme ça, les coups critiques sur la. Sur le proc des PV d'Ax. Oh là 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 là. Il arrive pas à enlever mec, Vladimir. Gay game. Aïe. Ah, Mundo aurait pu me tuer 15 fois, mais il était con. C'est un Mundo, hein, c'est... Tout ce qu'il sait faire, c'est... Mundo! Bah... Ouais. En vrai, t'imagines, t'es Mundo dans la vie, tu vas là où tu veux, c'est trop bien. Ça. Genre, tu vois une go plutôt potable, Mundo va où il veut, c'est parti, hein. Ouais mais bon, tu vois une go plutôt potable, si t'as la gueule de Mundo, tu prends peur un peu quand même. Oui mais si Mundo va où il veut, tu mets un sac poubelle sur la tête, ça passe tout seul. C'est vrai. On t'enlève quand même la seringue. C'est vrai que, mais est-ce que Mundo va où il veut, mais est-ce qu'il peut aller au Caraïbes? Ah, c'est une bonne question. Et ouais. Oh là là, allez. Ah, c'est marrant, à mon âge, j'ai juste de recevoir un notif sur mon téléphone comme quoi tu streams. La genre de 4G useless. Non mais surtout que t'as eu la notif au moins, elle coupe. Road to gold. Bon, y'a un mec qui s'est fait des mods parce que son Z a FK. Parce qu'il a quoi? Le Z il a FK et on a gagné la game, y'a un mec, le Mundo il a des mods. Moi faut vraiment que je trouve quelqu'un pour duo en normal. Enfin en normal. En solo. Duo en normal, oui, c'est sûr que ça doit être. T'es ranké quoi? Moi, je crois que je suis silver. Parce que si t'es bronze frère, il y a moyen on joue. Non, je suis silver. Parce que moi je jouais avec un pote qui était bronze 3, j'arrête pas de gagner parce que je défonce tout le monde avec Cassio et puis résultat. Non, non, je suis silver. Je vais prendre ma vengeance. Viens là toi. Viens là, fuyard. T'es silver. Ouais, je crois. Mais vas-y, viens, on joue. Bien, on fait des combos Orianna Rivenbot et on prend des encensoirs ardents pour avoir beaucoup de chill. Mais s'il chute, c'est une strat secrète.
C'est les strats challenger, tu peux pas comprendre. C'est comme la strat Yi, Kayle, Lulu en 3v3. C'est tellement horrible, mec. Non mais, putain. J'ai fait une game comme ça, je te promets, c'était horrible. Le Yi, il est full boost de partout. Full move speed boost, heal, shield, le double invincibilité, plus augmentation PV de Tice, n'importe quoi. C'est le mec qui jouait, il n'a pas besoin d'être bon, il peut faire un clic droit et puis c'est tout. Ouais. Non mais c'est bon, je vais jouer Janna et puis je vais gagner. Hein. Mais du coup, tu veux jouer là ou quoi? Oui, je finis mon temple sur Zelda et j'arrive. C'est quoi ton petit nom? Ah bah devine. En plus il est link à mon Discord, donc si tu arrives pas là t'es... Ouais, je dirais c'est le pion. Ah putain, t'es fort quand même. C'est pion ou, ou c'est Pio 1 hein? Je sais pas, 12. Allez, j'ai envoyé une invitation à Pio 1 hein. On verra si c'est toi. Mais oui, mais il est link, mais comment je fais? Il y a un truc voir profil. Ouais, tu peux appuyer sur le profil. Allez, Bitcoin, oui. Oh là là, il joue aussi à des jeux Blizzard. Ouais, des jeux Blizzard, c'est fou. Tu joues à quoi comme jeu Blizzard? Je sais pas, je dois voir tous les jeux Blizzard qu'il y a comme jeux Blizzard. Waouh, mais du coup, est-ce qu'ils sont Blizzard? Je sais pas, mais je crois qu'ils sont Blizzard. Ah ouais. Un peu comme les jeux Blizzard. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis assez impressionné par les jeux Blizzard parce que je les trouve assez bizarres, Blizzard. Ouais, c'est... mais c'est... après, c'est ça qui est bien parce que du coup, vu que c'est Blizzard, ben, tu peux gagner grâce à ton Blizzard kill. À part sur Hearthstone, parce que c'est full chat pay to win. Oui, c'est pour ça que j'ai 70 légendaires. Mais donne-moi de l'argent! Non, c'est juste que je joue depuis la bêta en fait. Tu sais, mais moi aussi, j'ai arrêté le jeu, c'était trop full pay to win tout pour moi. Ah bah oui, mais moi non. Moi j'ai tryhard. Est-ce que tu sais quelle est la première légendaire que j'ai eue? J'ai eu Chroniqueur Show. Trogzor le Terminator. Ah putain. Carte complètement abusée qui va permettre de monter au rang 20. J'ai pas essayé d'aller plus loin, ça me saoulait trop. Mec, tout à l'heure, j'ai joué. Mec, je suis rang 20. Hein. Véridique, rang 20, il y a un mec en face qui jouait Mage Exodia. Genre, j'étais là. Quoi? Allô? Je sais pas, moi, j'ai pas suivi les derniers patchs, je pense. Mais en fait, genre, le mage Exodia, c'est complètement pété. Genre, il avait invoqué, l'apprenti sorcier qui réduit de 1 les coups des sorts. Mais il en a posé un, et puis il en a posé un deuxième. Et puis je sais pas ce qu'il fait, il y en a eu un troisième qui a apparu, puis il y a une légendaire qui a pop, et en fait il arrêtait pas de faire pop des. Il arrêtait pas d'avoir des fireballs. Pour le coup, on a fait bien. Il a clean tout mon board, et il m'a OTK en fait. Qu'avec des fireballs. Je crois que tu t'es bien amusé. Ah oui, j'ai adoré, j'étais content. Le cul était bien dilaté. Non mais du coup je joue en standard parce que sinon c'est chiant et j'ai pas Ragnaros et tout le bordel. Et du coup je joue le prêtre. Le prêtre avec l'incroyable puits de lumière en 20-20. C'est nul, c'est une carte de base mais j'arrive à gagner tu vois. Genre les mecs ils s'attendent jamais à avoir un puits de lumière en 20-20. Ils sont trop très. C'est quand même très con. Parce que c'est genre le truc le plus pas bon. T'as quoi contre Easy Girl là? Vas-y, laisse mon statut. Mais tu es une e-girl, putain! Non, mais je m'en fous, un mec, hein. Si on duo, moi je joue Janna Su. Ah ouais, vas-y, mais moi je peux plus jouer à DC, genre j'ai tellement joué à DC. Ah non, c'est pas grave, ta gueule! Tu vas jouer Vayne et je vais te jouer. J'ai joué Janna. Ah non, mais je joue pas Vayne Bot, c'est mort, c'est trop nul en botlane avec Vayne. Ah, mais tu joues n'importe quoi d'autre, mais moi je vais jouer Janna en sens. Tu vas rien comprendre. Je vais te mettre des shields, genre mec, mais. Pouah. Mais mec, je pourrais même pas jouer Kog'Maw. Ta gueule. Putain. Mais non, moi je sais jouer Kog'Maw qu'avec Mimi. Enfin, je sais le jouer tout court, mais je préfère avec lui. C'est pas forcé. Mais tais-toi, j'ai été Gold 5. Il peut. Mais putain, j'ai été Gold 5. Oh là là, attention. Non, vas-y, je vais jouer MF, ça va être rigolo. Ou alors, je joue Sivir.
le perso ADC totalement disparu. Comment ça, disparu. Oh, mais non, je sais. Mec, je vais jouer le meilleur ADC du monde. Vas-y, tu vas jamais. Alors, devine le meilleur ADC du monde. Genre, Bard. Il fait tellement de dégâts magiques et de dégâts physiques en fin de game, c'est n'importe quoi. Bard. Non. Bard. Non. Kog'Maw. Corki. Non. Le Kog'Maw, alors. Non. Un perso à dégâts infinis. Mordekaiser. Il y en a que deux. Hein. Et c'est pas Nasu. Bard. Mais il peut pas stack des dégâts à l'infini, Bard, putain. Ah, Trèche. Mais il...